vrai de vous passer, j'espère que vous devriez aussi l'applaudir, cette sublime voix de la musique béninoise et africaine, Angélique Kidjo. Bonsoir. Bonsoir, Junior. Vous allez bien? Très bien, merci, et vous? Alors, on va très 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 bien. Et quelle heure déjà chez vous du côté des États-Unis? Ah, ici, il est 13h29, très exactement. Précisément, vous êtes dans quel état des États-Unis? Je suis dans l'état de Géorgie, sinon communément appelé Georgia. Georgia, bien sûr. Donc, vous êtes l'un des premiers responsables de l'association en grain de sel Togo Inc., justement, une association créée par 5 étudiants togolais aux États-Unis pour aider les étudiants des universités publiques. Donc, depuis 2013, vous octroyez des bourses à ces jeunes étudiants, notamment du Burkina, de la France et du Togo. Comment vous vous organisez-vous donc pour mener à bien toutes ces tâches, toutes ces actions, Monsieur Bradon Paty? Merci pour la question, Junior. Pour dire vrai, je dois faire une confession avant que je ne puisse poursuivre. Quand vous m'avez fait appel pour l'interview, j'ai fait appel à mon équipe et mon équipe a tout de suite préparé ce que je devrais vous dire. Donc, c'est pour vous dire que ce travail passe par la collaboration, le volontariat et bien entendu un engagement personnel de la part de ceux qui sont convaincus que donner en retour à leur peuple est la meilleure voie pour aider un peu au développement. Très bien. Et aussi rajouter que l'union fait la force, le dit-on très souvent. Plus exactement. Très bien. Alors, est-ce que vous voudriez bien donc ajouter quelque chose à la question que nous voudrions bien vous reposer? Comment vous vous organisez justement pour mener à bien toutes ces actions? Merci. En reprenant la question, l'organisation, c'est vrai qu'elle est basée aux États-Unis avec bureau de représentation en France et au Togo. Donc, il y a une équipe dans pratiquement sur 3 continents, dans 3 pays, qui se réunissent pour la plupart en ligne pour ceux qui sont séparés les uns les autres. Pour ceux qui sont au pays, ils peuvent se rencontrer. Une fois le programme approuvé, lancé par la direction, l'équipe du Togo lance appel à candidature pour recruter les nouveaux boursiers. Et le processus est tellement rigoureux qu'il fallait vraiment mériter la bourse avant de pouvoir l'avoir. Aux États-Unis, nous faisons pratiquement la mobilisation des ressources que nous mettons à la disposition de notre staff présent au Togo. Je dois récapituler, il y a tout un travail de fond qui se fait avant d'octroyer cette bourse-là à ces étudiants hein, qui sont quand même des milliers hein, à avoir espoir en nous. Tout à fait, c'est un travail avant de sélectionner un seul boursier. Cela nous fait environ 4 mois de travail. Et donc, ça fait 5 ans justement que vous êtes présent sur le terrain. Quelle est la force de grain de sel du Togo aujourd'hui? La force de grain de sel vient en premier lieu de la mise en réseau, sinon le networking. Brad connaît Kofi, Kofi connaît Kodjo, Kodjo connaît Amevi. Convaincus qu'ils peuvent faire un travail ensemble, ils se mettent. Le travail est réparti dans le réseau en fonction de la disponibilité de tout un chacun. Donc, la pièce maîtresse de grain de sel, c'est le volontariat. Il faut rajouter aussi que le bouche à oreille fonctionne aussi parfaitement. Tout à fait. Oui à l'excellence et non à la médiocrité selon vos slogans. Alors, quels sont finalement les grands objectifs de Grain de sel du Togo? Les grands objectifs, si on peut dire, on peut retourner un peu dans nos passés. À l'université, ce n'était pas évident qu'on pouvait finir. Donc, ces étudiants qui sont désespérés, nous voudrions être leur porte-parole, leur soutien. En ce sens que nous-mêmes, nous avons été aidés aux États-Unis par nos bourses, que nous retournons à ceux qui sont dans le besoin pour se former. Et oui, à l'excellence, à ce sens que ceux qui pensent que leur avenir n'est pratiquement pas possible, maintenant, avec grain de sel, ils peuvent se frotter les mains. Mais cela voudra dire que ils doivent travailler pour arriver jusqu'à 85% de résultats. Et en plus, et au même moment qu'ils sont boursiers, ils vont faire plus exactement, sinon de façon similaire,
ce que nous faisons en allant vers leur communauté par des sensibilisations, par des projets communautaires qu'ils exécutent au même moment qu'ils apprennent les rouages de l'administration, comment se préparer pour chercher du boulot. Donc, c'est de la matière composite, pour dire vrai. Et alors, on notait tantôt le Burkina Faso, la France et le Togo qui sont quand même partie des cibles, hein, de vos cibles. Est-ce qu'il y a d'autres communautés, d'autres nationalités avec qui vous apportez à qui vous apportez justement vos aides, vos soutiens? Jusqu'à 5 ans, nous devons préciser que à plus de 95%, ce sont des Togolais qui ont bénéficié de notre soutien. En ce sens que ceux qui sont allés en Bulgarie, en France, au Canada, aux États-Unis, c'est des Togolais. Les 5 autres pourcents, c'est d'autres nationalités qui sont dans des besoins, qui viennent à nous pour des besoins ponctuels que nous aidons. Mais après 5 ans maintenant, nous nous disons prêts pour ouvrir la porte aux autres nationalités pour candidater quand le moment viendra. Et donc, nous sommes très ambitieux. Alors, des témoignages concrets de certains étudiants que vous aviez suivis et accompagnés de par le passé, Monsieur Brad. Merci encore une fois pour la question. Des témoignages, je pense que le temps imparti ne me permettra pas de pouvoir revenir là-dessus, mais je vais aller schématiquement. Aujourd'hui, nous avons un ancien boursier qui est actuellement au Togo, qui est devenu entrepreneur grâce à notre soutien, qui emploie au moins 3 personnes déjà. Aujourd'hui, nous avons 2 de nos anciens boursiers qui sont actuellement en France. Un des membres de notre staff du Togo vient de rejoindre la France pour ses études doctorales. Actuellement, il y a Mademoiselle Valérie qui est à Accra. Avec la formation et l'exigence à l'excellence que nous lui avons donnée, elle fut la première à l'université de Cara, ce qui fait d'elle le porte-parole de tous les étudiants de l'université de Cara. On ne peut plus être plus que fier. Les réalisations en sont nombreuses en ce sens que pour accueillir des étudiants en France aujourd'hui, grain de sel ne fait pratiquement rien. Ce sont nos anciens étudiants, collègues et collaborateurs, ils sont nombre de 4, qui s'occupent du boulot. Nous, on ne fait pratiquement rien pour être honnête. Et quand vous parlez de CARA pour dire, pour recadrer, en fait, nos auditeurs qui nous sont fidèles, qui sont à l'écoute, justement, ce soir, CARA est l'une des grandes villes du Togo qui se situe justement dans le côté septentrional, à cette époque-là. Merci. Et nous devons ajouter qu'il y a la deuxième université publique du Togo, Accra. Très bien. Eh bien, un projet très, très ambitieux. En tout cas, on ressent déjà qu'il y a des grains de sel qui sont en train d'émerger. Et ça fait plaisir à entendre. Alors, Monsieur Brad Rumpati, que retenir finalement de votre ONG et surtout, quelles sont vos attentes? Ce qu'il faut retenir dans la vie, en général, et par rapport à grain de sel, c'est de féliciter ses ennemis quand ils vous attaquent ou bien quand ils vous demandent de prouver votre vision. Ça, c'est la première leçon de reconnaissance que nous avons retenue. La deuxième chose qui nous tient à cœur, c'est d'encourager les gens à faire peut-être un peu moins, un peu plus que grain de sel dans leur communauté respective, quel que soit d'où ils viennent, en donnant en retour cette faveur-là à leur communauté. Et puisque Grain de sel, c'est une équipe de volontaires, nous avons toujours besoin d'autres personnes pour aider, pas seulement avec leurs moyens financiers, matériels et tout, mais surtout les idées, les critiques et des propositions pour mieux faire. Donc en clair, c'est un appel au volontariat et au soutien, si je peux me permettre le terme. Demander si grain de sel Togo a un projet imminent, vraiment très imminent. Un projet imminent, oui. Actuellement, nous sommes en phase de mobilisation de ressources pour la première fois au Togo. De 2, nous sommes en train de nous préparer pour recruter d'autres boursiers pour cette année. Les projets communautaires des anciens boursiers de la saison qui vient de s'écouler sont en cours d'exécution. On vient de commencer seulement que un, il reste 2 grands projets. Et bien évidemment, ces micro-projets ont besoin du soutien de tout le monde. Et la dernière chose à laquelle nous penserons et que nous allons dévoiler, c'est que nous avons donné de l'argent gratuitement pendant 5 ans.
Est-ce que nous pouvons survivre en donnant de l'argent gratuitement? Nous pensons à rendre plus durable notre bourse, qui sera à peu près une microfinance dans le futur, pour augmenter le nombre de boursiers que nous avons chaque année, en ce sens que ceux qui ne sont pas qualifiés directement par nos critères rigoureux peuvent quand même bénéficier de notre soutien, mais tout en ayant l'idée que quand ils auront un boulot, ils vont retourner l'ascenseur. Pas exactement le montant qui leur a été donné, mais pour ouvrir la porte à tout le monde. Très bien. Et tout ceci nécessite de gros moyens quand même. Est-ce que vous avez des partenaires financiers, Monsieur Dorado? Le premier partenaire financier que nous avons, c'est nous-mêmes. Le deuxième, c'est BS Biz Togo Inc., qui est une de mes sociétés et que je dois dévoiler, qui vend tout ce qui est achetable aux États-Unis, qui peut se vendre au Togo. La majorité des bénéfices que BS Biz Togo réalise est entièrement versée pour soutenir Grain de sel. Et je dois ajouter ici que ceci a été l'œuvre et la proposition de mon ancien collaborateur qui est actuellement en France, qui m'a dit, Monsieur, vous faites bien ceci, mais pourquoi vous ne devrez pas ajouter une entreprise qui rapporte pour qu'on ne puisse pas courir à perte, sinon manquer de moyens quand le moment sera venu. Ici aux États-Unis, l'Université de Géorgie, Fulbright Association, qui est la société qui m'a d'ailleurs octroyé la bourse pour que je vienne ici, qui nous soutient. Aujourd'hui, la DBS, Direction des Bourses et Stages du Togo, nous soutient. Nous comptons maintenant aller à la recherche de beaucoup de partenaires pour pouvoir nous installer dans plusieurs autres pays. Et donc, la porte est largement ouverte. Très bien. Je ne sais pas si ceci servira de mot de fin pour vous. Sinon, est-ce que vous avez un message à passer avant de partir, Monsieur Prado? Dans un premier temps, je tiens sincèrement à vous remercier, vous, Junior, et votre équipe et la radio, et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que notre site web est bien connu par le www.graindeseltogo.org ou bien www.bsbistogo.org. Là, c'est nos deux sites Internet avec nos pages Facebook qui sont associées avec bsbistogo et gdstogo. Notre numéro de téléphone direct est le plus 1 706 510 70 77 pour nous joindre à la fois par cellulaire et WhatsApp et des gens peuvent nous contacter. Mais la première chose que nous pouvons, c'est de vous remercier de nous avoir donné la parole. Et la deuxième chose que nous souhaitons est que nous sommes des volontaires et nous lançons vivement un appel à tous ceux qui sont épris de volontariat pour poser de petits actes dans leur communauté, mais qui peuvent porter loin. Merci. C'est à nous de vous remercier d'avoir fait un crochet chez nous, en tout cas via téléphone depuis Georgia aux États-Unis. En tout cas, bravo pour cet engagement, justement. Bon courage à vous, Monsieur Pravopati. On se retrouve très prochainement. Merci, c'est tout mon plaisir. Allez, à très bientôt. À Ciao. très bientôt.